Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Valumène sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur qui s'appelle « Déployer des programmes informatiques à l'international ». Dès que les personnes se connecteront, nous pourrons commencer. Hop. Chat. Est-ce qu'on a... Alors, bonjour, bonjour Jackie. Valentino, pardon. Bonjour Fanny, Mustapha. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Bonjour Shirley. Bonjour Maurice. Quentin. Bien. Bonjour à tous. Bien, nous allons, pour tenir aux engagements de fin de ce webinaire à 19h, nous allons commencer dans quelques instants. Alors, on ne va rien vous cacher, on a eu quelques petits problèmes de connexion et notamment de connexion caméra. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ma caméra ne fonctionne pas et on a quelques problèmes de connexion à l'heure où je vous parle. Bon, on va essayer de fonctionner comme ça. La caméra d'Alexandre aussi a quelques faiblesses de temps en temps. Donc, on va essayer de fonctionner sans et en espérant que ça ne nuise pas à la qualité du débat. Voilà. Bonsoir Hassan. Est-ce que vous nous entendez bien? Aucun problème? Tout va bien? C'est tout bon. C'est tout bon. Lorsque vous nous entendez tous. Est-ce que vous nous entendez tous? Oui. Par exemple, moi, vous m'entendez, j'espère. Oui, voilà. Ok. Oui, Alexandre. Bon, très bien. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire tout à fait intéressant autour du déploiement des programmes informatiques à l'international. L'objectif étant pour nous de vous donner un éclairage sur ce que ça veut dire que déployer des programmes informatiques à l'international avec deux regards de personnes qui ont une expertise, une expérience sur le sujet, qui ont pour objectif de vous faire partager cette expérience et bien évidemment de répondre à un certain nombre de questions que vous pourriez être amené à vous poser autour de ce déploiement de programmes informatiques dans des contextes internationaux. Et donc, notre objectif à nous, ça va être effectivement d'essayer de vous apporter des angles de vue différents sur ce sujet-là. Avant de se faire, l'objectif pour nous, ça va être aussi de vous revenir sur un certain nombre de bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme pour qu'on puisse favoriser les échanges entre nous. Et donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la façon dont la plateforme fonctionne et dont nous allons interagir ensemble ce soir avec trois onglets, un onglet chat, un onglet questions et un onglet sondage. Le premier onglet, qui est l'onglet chat, que vous utilisez très, très bien, hein, à ce que je vois, va nous permettre de dialoguer entre nous, de transmettre des messages, de répondre à des messages, pourquoi pas de mettre des liens sur des informations que vous aimeriez échanger. Donc, ce volet de chat sur la droite de l'écran va faciliter finalement cette communication entre nous tout au long de ce webinaire. Le deuxième onglet, qui est un onglet qui est à gauche de l'onglet chat, est l'onglet questions, qui va vous permettre de poser des questions sur la thématique, poser des questions à nos invités, Alexandre ou Thierry.
voire à prioriser les questions, puisque vous aurez la possibilité de voter pour les questions qui vous sembleront les plus, j'allais dire, les plus intéressantes pour vous, en tout cas. Hein, et donc, ça va faire remonter les questions par ordre de priorité. Voilà. Donc, n'hésitez pas, soit à poser des questions, soit à voter pour des questions qui vous sembleraient intéressantes à investiguer, à poursuivre. Voilà. Et puis enfin, on verra avec Shirley, au travers de l'onglet sondage, un certain nombre de questions que nous pourrions être amenés à vous poser pour nous améliorer dans l'animation de ces webinaires, sur des thématiques qui pourraient vous intéresser. Bref, on reviendra sur ce sujet-là en fin de webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me transmettre vos questions, y compris sur l'utilisation du Livestorm. Alors, l'essentiel étant de Alexandre et à Thierry de se présenter, moi je vais me présenter vraiment très succinctement. Donc, je m'appelle Stéphane Autin, donc je suis directeur de mission chez Valumène depuis 2 ans, bientôt 2 ans. Voilà, j'ai un passé dans les ressources humaines et dans l'assurance, et surtout appliqué au domaine de l'IT, puisque j'ai été à la fois chargé de recrutement, responsable du recrutement et responsable RH de la DSI du groupe Maïf, où j'ai beaucoup recruté dans ces domaines-là. Voilà, et puis à côté de ça, j'ai une petite activité de formation et d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur. Je vais laisser la main, et là surtout la parole, à Thierry et Alexandre pour qu'ils se présentent l'un et l'autre, et puis après on reviendra sur le déroulé du webinaire. Thierry, je te laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et, donc Thierry Boyer, actuellement, je travaille sur un programme lié avec la Chine dans une grande société de luxe français. Avant ça, j'ai travaillé chez Lenovo et chez LVMH en Chine de 2002 à 2007. Et puis, autrement, j'ai un parcours en management de tout ce qui est management de la technologie à travers l'informatique, le déploiement de ERP, la gestion d'équipes de développement, la gestion de projets, la structuration des équipes, etc. Et on fera un zoom un peu plus fort sur cette dernière mission. Et vis-à-vis du management de transition, donc je suis en management de transition depuis 4 ans et je suis intervenu dans différentes sociétés en France. Et je vis aujourd'hui à Paris avec ma femme et mes 2 enfants. Voilà. Merci beaucoup Thierry, et on reviendra effectivement sur cette expérience tout à fait intéressante dans un environnement chinois. Avec plaisir. Voilà. Alexandre, merci de te présenter ton parcours. Oui, bonjour à tous. Je vois déjà parmi les participants que je connais certains d'entre vous qui m'ont envoyé déjà quelques messages sur mon téléphone. Ça fait plaisir, ça me permet tout de suite de me mettre dans le bain et me sentir à l'aise. Donc moi, je suis DSI depuis 25 ans. J'ai travaillé pour des sociétés de retail, de la distribution spécialisée dans le monde pharmaceutique et l'industrie métallurgique. Et depuis 2017, je suis un manager de transition. Je suis intervenu pour la mine de Rungis, pour Imperial Tobacco, pour Auchan dernièrement, pour Intermarché. Et donc aujourd'hui, je suis devant vous pour parler d'un témoignage de gestion de programme international qui regroupe l'histoire de 2 sociétés. Ok. Merci beaucoup Alexandre. Effectivement, on reviendra sur cette histoire autour de 2 sociétés et comment ce contexte-là a pu se mettre en œuvre et éclairer notre sujet qui est celui de la direction de programme à l'international. Alors, avant d'aller directement sur le sujet, revenir quelques minutes sur Valumène, qui nous sommes aujourd'hui. Donc, Valumène, c'est une entreprise, c'est un cabinet qui est créé en mars 2020 hein, par Nicolas Doucerin, que vous connaissez, je pense, tous. Valumène, c'est l'association de 2 termes anglais, value et men, qui a, si vous voulez, pour
pour vocation d'accompagner les transformations au sein de l'entreprise en mettant à disposition des managers de transition expérimentés, créateurs de valeur, qui vont accompagner les enjeux de transformation de l'entreprise. Donc, Valumen, c'est, si vous voulez, une structure qui va accompagner ces enjeux de transformation au travers d'une activité de management de transition qui représente aujourd'hui, bon an mal an, 85% de l'activité. Hein. Et puis, en complément de cette activité-là, on va avoir une activité d'executive search, développer des complémentarités entre le management de transition d'un côté, pour répondre à des enjeux, j'allais dire, d'urgence, de transformation, de ressources, besoin de ressources ponctuelles, et puis l'executive search qui va être là pour recruter des personnes sur du plus long terme et essayer de voir, de répondre à des enjeux de transformation d'entreprise qui s'inscrivent sur des temporalités différentes. Et puis enfin, une activité de séminaire et de conseil de direction qui, lui, a pour vocation à accompagner les COMEX dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise pour ensuite accompagner cette entreprise dans la déclinaison de ses stratégies, de ses feuilles de route, par la mise à disposition de managers de transition pour accélérer les transformations identifiées pendant ces phases de séminaire ou ces phases de conseil. Alors, effectivement, Valumen, c'est aujourd'hui 31% de femmes, donc une représentation féminine qui est importante, que l'on souhaite plus importante encore, et qui est au-dessus de la moyenne nationale, notamment dans le domaine du management de transition. C'est aussi une activité qui est représentée à 59% en Île-de-France. Et puis, on a le développement de cette activité sur la façade Grand Ouest, sur le Sud-Est, sur le Sud-Ouest, mais également dans les Hauts-de-France, avec des activités dans le domaine du retail, de la grande distribution, par exemple. On va également, dans le cadre de l'activité de Valumen, travailler avec un certain nombre de partenaires, des partenaires comme OpenWork, par exemple, qui est une société de portage salarial, parce que, comme vous le savez, quand on est manager de transition, on peut l'être en tant qu'indépendant, mais on peut l'être également en tant que salarié au travers d'une société de portage salarial. Et donc, nous, on a un partenaire de référence qui s'appelle OpenWork, avec lequel on travaille. On travaille également en collaboration avec deux cabinets conseils, un qui s'appelle Sitwell, qui est un cabinet conseil en management, spécialisé plutôt en supply chain, logistique et opérations, et puis avec une autre structure qui est spécialisée dans les situations de retournement ou de restructuration, hein, qui s'appelle Zalis. Voilà. Enfin, on a évoqué les valeurs de Valumen, elles se déclinent aussi au travers d'un certain nombre d'actions concrètes que l'on essaye d'incarner au quotidien, au travers à la fois de l'Institut Imagine, où là, on apporte un soutien à la recherche scientifique autour des maladies génétiques, au travers d'activités sportives, de persévérance, de dépassement de soi, avec le soutien auprès de Julien Renaud qui mène des défis, des challenges sportifs de haut niveau et qui illustre finalement aussi ces valeurs de dépassement de soi et de persévérance qui caractérisent Valumen. Le volet entrepreneurial, avec là, effectivement, le soutien auprès de l'association Second Souffle sur l'accompagnement d'entrepreneurs en difficulté ou pour prévenir finalement des difficultés que pourraient amener à rencontrer ces entrepreneurs. Nicolas Doucerin étant parrain de cette association. Et puis enfin, au travers de la plateforme NOUS, qui est un outil RSE qui va permettre d'accélérer l'engagement des équipes internes sur la mise en place de démarches RSE, concrètes, individuelles et collectives, autour d'un certain nombre d'objectifs que se fixe l'entreprise. Voilà. Voilà Valumen et du coup nous arrivons au terme de la présentation de Valumen et au début, j'allais dire, de la présentation de cette thématique autour du pilotage des programmes informatiques à l'international et je vais laisser Thierry Boyer nous parler de sa vision, de son expérience sur ce sujet-là. Donc Thierry, je te laisse avancer
sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Et donc oui, les programmes internationaux, donc là on est sur un pays unique, on se focalise sur la Chine, mais je pense que là, le principe peut être le même, hein, l'approche peut se reprendre sur d'autres pays. Et l'approche que je prends et que j'ai mis en place dernièrement, c'est vraiment déjà de se mettre dans la position du pays dans lequel on souhaite mettre en œuvre les projets, les initiatives. Et donc, une des façons de visualiser ça, c'est de prendre la map monde telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est présentée dans le pays dont on parle. Donc ici, on voit une map monde telle qu'elle est vue en Chine. Quand on est un enfant chinois, on grandit avec cette map monde et puis on a le pays, hein, donc la Chine, Zhongguo, qui commence avec le sigle, donc un rectangle coupé au milieu, et ça veut bien dire l'empire du milieu. Donc c'est vraiment le centre du monde. Et donc c'est pour moi c'est un message important que l'on doit intégrer lorsque l'on souhaite déployer et approcher des solutions informatiques pour la Chine. Il faut bien prendre en compte cet aspect-là. On est en face d'un énorme pays, hein, plus de 1,4 milliard de personnes, qui a une histoire qui remonte à plus de 5000 ans et qui se voit comme le centre du monde, qui est convaincu et qui grandit dans cette vision-là. Donc ça, c'est un point qui est très important pour moi quand on approche la Chine. Et un autre point qui est intéressant, et surtout dans le contexte actuel, c'est que quand on prend la France, donc c'est la traduction, c'est le pays des lois. Donc, et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On est toujours très passionné par ces débats-là. Quelque part, au contrario de la Chine, où tout l'aspect loi n'est pas un sujet du quotidien des personnes. Voilà un petit peu. Donc, le message derrière, c'est bien comprendre le pays avec lequel on va travailler, les gens, leur culture et leur background. Et si on passe sur le slide d'après. Mais j'ai peut-être la main, j'ai la main. J'ai tout à fait la main. Donc l'autre point qui est important quand on parle de la Chine, là, ces deux photos qui sont assez intéressantes, c'est la vitesse à laquelle la Chine s'est transformée au cours des 20 dernières années. Donc là, c'est l'exemple de Shanghai. Donc, on voit bien, là, c'est ce qui s'appelle la TV Tower. Donc, elle est toujours là en 2022. Mais comme on peut voir, il y a un certain nombre de nouveaux buildings qui se sont installés et qui ont été construits et qui montrent le développement et la croissance très rapide de la Chine. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est outre toute cette transformation, c'est que bon, moi j'étais en Chine de 2002 à 2007 et en fait on pouvait aller visiter il y avait un musée qui était le musée de la planification de Shanghai, et en fait chacun de ces buildings était déjà positionné. Et donc c'est ça aussi, c'est un des points dans l'approche des projets et dans la planification des projets. C'est que la notion de temps en Chine n'est pas forcément la même que la notion que l'on a en France ou dans le reste du monde. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un temps très court dans la réalisation, mais ils ont aussi un temps très long dans la planification, et où ils se disent, où ils prennent le temps de structurer les choses à très long terme. Et si ça n'a pas lieu à un instant T, eh bien ça aura lieu un peu plus tard. Mais la notion de temps, et leur histoire le montre, c'est pas
n'y a pas une notion d'urgence. Et en parallèle, ils ont cette capacité d'exécution qui est quand même reconnue et extraordinaire. Donc ça, c'est deux choses aussi à prendre en compte quand on met en place des projets. Alors, j'ai envie de dire des projets de tout type, et notamment les projets informatiques. Et si on se focalise un peu plus sur la partie informatique, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que d'un point de vue IT, la Chine a développé quand même beaucoup son univers. Hein, donc, on n'utilise pas dans les frontaux, on n'utilise pas Facebook, on utilise WeChat, on n'utilise pas Google, on utilise Baidu, on n'utilise pas Amazon, on a Alibaba, on n'utilise pas Salesforce, on utilise Magento. Ils ont aussi des lois qui se mettent en place de manière très structurée de type PIPL. Dans les infrastructures, on n'est pas sur de l'Azure, mais on est plutôt sur des solutions de type Alune local. Donc tout ça, ça nécessite de la part des DSI qui veulent, qui mettent en œuvre des stratégies informatique pour la Chine, bah, de se poser des questions et de voir, on peut dire qu'il y a deux grands axes. Alors moi, il y a différentes sociétés en fonction de leur culture, en fonction de la nature des produits, de l'approche, etc., choisiront l'une ou l'autre des solutions. Mais on a globalement soit une approche où on va localiser, c'est-à-dire on se dit, on a plein d'outils qui sont spécifiques locaux. Si on a en plus un marché qui est très local avec peu d'interdépendance avec l'international et qu'on est vraiment sur une notion de produit et que les clients sont locaux, on peut assez naturellement se dire qu'une architecture et des projets avec une implémentation locale, dédiée et spécifique sera adaptée. Après, si on est au contraire plus une société internationale avec une notion de clients qui voyagent, à qui on veut donner et avoir la même expérience tout autour du monde, là, on va plutôt se diriger vers une implémentation hybride où on aura, à un moment, il faudra, sur les parties frontales, il faudra forcément s'adapter à l'écosystème chinois. Donc, il y aura forcément une partie front qui devra être adaptée. Par contre, très rapidement et au plus vite, on essaiera de revenir sur des solutions centrales avec les respects des législations. Donc, ça peut générer des contraintes sur certaines fonctionnalités et use case, mais d'un autre côté, ça permet d'apporter une solution qui est internationale et qui permet de donner le même service et la même expérience à ses clients à travers le monde. Donc ça, c'est un petit peu ce que chaque DSI, avec le business bien sûr, doit analyser et définir avant d'attaquer le marché chinois pour d'un point de vue informatique pour se dire quelles sont les bonnes pratiques et les expériences que je souhaite apporter à mes clients. Voilà un petit peu les mots que je voulais partager avec vous sur le sujet. Et bien sûr, je serais très heureux de répondre à des questions suite à la présentation d'Alexandre qui va nous donner une autre vue du projet international. Oui, absolument. Merci Thierry. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions très spécifiques à poser à Thierry à ce stade, ou est-ce que vous souhaitez qu'on aborde un peu plus tard? C'est comme vous voulez. Autrement, effectivement, on laisse Alexandre parler de la partie qui l'intéresse. Moi, j'ai quelques questions, mais je les garderai pour tout à l'heure. Donc, Alexandre? D'accord. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, je vais, à ma façon et selon mon expérience, vous présenter les projets internationaux que j'ai pu mener dans ma vie. Et je repositionne la map du monde sur la France, même si elle est trop petite par rapport aux autres pays. Mais je souhaite quand même rappeler qu'il y a encore 100 ans,
dans la haute société, on parle les français et pas l'anglais, que tous les contrats se rédigeaient en français et que beaucoup de choses ont été inventées en France et que ça continue. Et dans ma carrière, je privilégiais beaucoup à travailler pour des sociétés françaises parce que le côté innovant reste quand même en France et j'ai pu comparer cela avec d'autres pays. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un domaine dans lequel la France excelle, c'est le retail et la grande distribution. Donc, il faut se rappeler que c'est la France qui a inventé la grande distribution avec les réseaux de magasins. Et dans le retail, c'est la France qui a inondé le monde avec les plus grandes chaînes de magasins avant que les grosses sociétés comme Zara ou H&M viennent un petit peu grignoter le marché. Donc, c'est l'histoire des deux sociétés qui ont vécu la même histoire de développement de programmes à l'international, mais qui ont presque 30 ans d'écart. J'ai eu la chance, en 1993, d'accompagner la société Jennifer, c'est le prêt-à-porter féminin, donc la mode pour des jeunes filles, une société qui vient de naître et qui cherchait sa voie. Donc, il cherchait à s'imposer dans un secteur ultra concurrentiel et qui ne savait pas trop comment faire. Et donc, cette société a eu une chance incroyable d'avoir rencontré un mathématicien qui leur a présenté un système d'approvisionnement totalement révolutionnaire qui s'appelle Scortex. C'est un système qui a été développé chez Jennifer. Même si ses origines viennent de la société qui s'appelle Pimkie, donc de l'univers de la famille Mullier, mais dans son intégrité et dans la façon dont ce projet-ci a été créé, c'est Jennifer qui l'a mis en place et c'est ça qui a conditionné son succès. En quelques mots, c'est une application d'aide à la décision qui gère l'approvisionnement des magasins et qui intègre la supply chain. Donc, elle établit les règles très très strictes dans lesquelles il y a des courbes de vie de produits qui sont associées, qui donnent une certaine tendance comment les modèles vont vivre leur vie durant les jours et les semaines. On enlève totalement aux magasins et aux entrepôts quelconque décision concernant son propre réassort et approvisionnement. On donne au logiciel confiance de gérer cet approvisionnement. Et à partir de là, le modèle économique, c'est-à-dire le vecteur de la culture de l'entreprise de Jennifer, se met en route. On teste des modèles, on enlève les modèles qui ne tournent pas, que Scortex élimine, et on ne garde que des modèles qui fonctionnent. Arrivé au milieu de la saison, on n'a que des modèles qui marchent, et on fait des réassorts selon le système pour approvisionner les stocks de magasins sur les 6 semaines à venir. Ça paraît évident aujourd'hui, ce n'était pas évident il y a 30 ans. Ça a conditionné totalement la façon dont le système d'information de Jennifer s'est construit et ça a amené un énorme succès parce que on testait un grand nombre de modèles, on donnait beaucoup de choix aux jeunes filles pour qu'ils fassent leur achat à leur guise et surtout on a amené une diversité dans les magasins. Et surtout, on parlait aux clients selon leur propre goût, parce que l'élimination des modèles se faisait de manière naturelle. Elles étaient des acteurs principaux des modèles qui vont perdurer, qui vont rester. Donc, ça a construit le succès de Jennifer en France. Et à un moment donné, est arrivée la question, comment on va se développer à l'international? Donc, étant donné que c'est un modèle qui intègre totalement la gestion et c'est un système qui se met par-dessus tous les systèmes d'information. C'est-à-dire que vous avez un ERP, vous avez les WMS, vous avez différents systèmes d'information. Ces logiciels-là se nourrissent avec un certain nombre de données et il faut que ces données soient justes. Donc, quand nous voulions développer Jennifer International, on a compris qu'on ne voulait pas faire de la franchise, on a fait de l'affiliation. Donc la différence entre la franchise et l'affiliation, c'est que quand on est franchisé, on achète le stock et on l'écoule selon ces méthodes. Quand on est affilié,
on reçoit la marchandise gratuitement, on la vend et on est rémunéré sur le chiffre d'affaires qu'il a généré. Donc, c'est-à-dire on est resté maître de la solution globalement dans tous les pays dans lesquels on a développé, dans 28 pays. Et ça a permis donc garder la main sur l'approvisionnement, quel que soit le pays. Donc, ce succès a été démultiplié par la suite auprès de 35 entreprises de retail, aussi bien en France qu'à l'étranger. Par exemple, la chaîne des magasins de jeans Guess a choisi le même système d'approvisionnement. En France, les grandes enseignes comme Armand Thierry, le groupe Aubin & Noir et les autres ont fait le même système d'approvisionnement. Donc, c'est un système qui a bien marché et qui a fait ses preuves. Et ce qu'on a déployé à l'étranger, finalement, c'est que les systèmes d'encaissement global qui a permis de récolter les informations en temps réel pour nourrir ce cortex avec les données justes et nécessaires. Donc, fin d'histoire pour Jennifer. Je me suis dit, c'est un environnement très particulier, c'est propre à Jennifer. Presque 30 ans après, donc on peut changer de slide, j'arrive cette fois-ci dans une mission de transition chez Auchan. Je prends la direction magasin et partenaires. Donc c'est une direction qui gère 700 magasins Auchan en France, 50 entrepôts d'approvisionnement et parmi 850 applications que Auchan possède, je découvre un certain nombre de projets, dont un qui s'appelle Relex. Donc là, il ne s'agit plus de Scortex, mais on parle de Relex. Donc je demande à me faire une démonstration et je tombe de nu parce que je découvre Scortex, mais renommé et surtout proposé par une société finlandaise qui a été créée en 2005. Donc je rencontre les dirigeants finlandais. Et je découvre que eux, ils sont persuadés qu'ils sont donc les patriarches du savoir-faire, qu'ils distribuent dans les grandes enseignes de grande distribution en Norvège et dans d'autres pays ce logiciel, et qui m'expliquent que la France est en retard sur cette technologie et que ce serait bien qu'ils se mettent le plus tôt possible sur ce logiciel. Donc, quand j'ai fait ce constat, j'ai compris que nous étions face à quelque chose que Auchan n'a pas su maîtriser il y a 30 ans. Donc, je vous rappelle que Pimkie faisait partie de la famille Mulier. Donc, Auchan n'a pas su exploiter, malheureusement, ce savoir-faire qui est tombé dans les oubliettes, même chez Pimkie. Et donc, après les rencontres avec la direction d'Auchan, on décide de développer ce projet différemment. C'est-à-dire que Auchan est présent dans beaucoup de pays et nous choisissons les pays dans lesquels il y a la stabilité économique, stabilité politique, pour que ce projet puisse voir son jour. Donc, à partir de là, ce logiciel va être déployé en France, au Portugal, en Espagne, au Luxembourg, en Pologne et en Roumanie. Ces pays-là doivent se comporter de la même façon que les affiliés. On leur impose le système d'information d'encaissement identique à la France et surtout, on transfère le projet international Haïti de Auchan Retail International vers Auchan Retail France. C'est-à-dire que c'est ma direction qui prend la conduite de ce projet. Et la conduite de ce projet va se dérouler de la même façon que tous les autres projets que Auchan gère. Donc, si on passe au slide suivant, on entre dans la méthodologie. Donc là, je vais passer moi-même. Voilà. On entre dans la méthodologie de Auchan Retail France qu'on va déployer dans tous les pays que je viens de citer. Donc là, on est sur quatre. Il faut savoir que Auchan gère 150 projets IT en France. Dans ces 150 projets, il y a des projets stratégiques, il y a des projets commerciaux, il y a des projets de commissionnement et autres. Donc ce projet-là vient se greffer par-dessus en plus, mais il doit s'inscrire dans certaines continuités. Donc ce qui est important, c'est de garder la gouvernance que Auchan Retail France a l'habitude de faire. Donc là devant vous, la gouvernance classique
que Auchan réalise, c'est-à-dire on est dans étude d'opportunité du projet, c'est-à-dire qu'on doit réaliser d'abord un calcul de besoins financiers et en ressources humaines. Avant d'aller plus loin, nous devons passer par différents stades de validation, d'architecture, de data, avant de passer au stade suivant qui est cadrage. Donc tous ces processus doivent être respectés, aussi bien en France que dans tous les autres pays qui sont choisis dans ce projet. Une fois que l'étude d'opportunité est réalisée et qu'elle est validée, nous entrons dans la phase de cadrage. Donc on peut changer de slide pour aller un petit peu plus dans les détails. Je vais le faire moi-même. Pardon. Donc là, on est dans la réalisation de projet purement et simplement. Et donc, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que vous pilotez un projet dans lequel vous devez avoir votre fiche projet. Même si vous déployez à l'étranger, fiche projet reste un élément central de votre projet. Vous déployez un projet, donc vous devez vous soucier du run. La fiche scoring projet vous permet de mesurer l'état d'avancement du projet tout au long de son processus. Et vous avez surtout les comptes rendus des décisions, parce que des réunions dans les sociétés de grande distribution sont nombreuses et s'effectuent sur les différents niveaux, différents étages. Et le fil conducteur doit être aussi le compte rendu des décisions qui permettent d'aligner l'ensemble des acteurs. Parce que tous les acteurs ne participent pas à toutes les réunions. Donc il est important d'animer ces comptes rendus de décisions pour être parfaitement bien alignés sur l'ensemble des décisions. Quand on entre dans la phase de cadrage, on reprend les mêmes documents, c'est toujours dans la continuité, on enrichit les mêmes documents et on permet à l'ensemble des acteurs d'être embarqués tout au long du processus. Et dans la construction, la vérification des éléments qui permettent de réaliser le projet devient un élément central, parce que vous discutez avec des acteurs à qui vous proposez un système d'information qui leur est un peu étranger et que vous devez absolument convaincre à travers les exemples et les pilotes. Donc, le projet, c'est surtout la façon dont vous expliquez les éléments et la façon dont vous présentez le succès que vous avez obtenu en France. Donc ce projet-là a été découpé en deux phases. La phase alimentaire et non alimentaire, parce que c'est très vaste, il s'agit de 700 magasins. Donc la phase alimentaire est restée gérée par la centrale d'achat en France. Et la phase non alimentaire a été transférée sur Auchan Retail International, qui a appris un nouveau métier, gérer tous les achats non alimentaires pour tous les magasins Auchan dans ces 6 pays. Voilà comment un projet qui a été initié il y a 30 ans par une start-up dans le retail a trouvé son écho dans la grande distribution avec à peu près la même méthodologie et la même approche. Merci beaucoup Alexandre pour cette explication. Alors, j'ai retenu une question qu'on va poser à nos deux intervenants, Alexandre et Thierry tout à l'heure. Hein, c'est la question de Sylvie sur le fait que la crise sanitaire qu'on a connue a eu nécessairement des impacts sur la digitalisation des entreprises. Et peut-être que le contexte international peut nous apporter un éclairage complémentaire sur finalement la façon dont cette crise a impacté aussi les projets internationaux. Dans le retail, je pense qu'on a des choses à dire sur le sujet. Mais avant, peut-être, Thierry et Alexandre ont essayé de tirer finalement quelques conclusions communes autour de, j'allais dire, des grandes leçons qu'on peut retenir du pilotage des programmes informatiques à l'international, et je laisserai Alexandre et Thierry peut-être apporter des éclairages plus personnels de ces quatre leçons que l'on peut retenir. La première, la mise en place du cadre de la gouvernance
qui soit constant et facile à communiquer. Est-ce que sur ce sujet-là, Thierry ou Alexandre, vous avez des éléments complémentaires à apporter sur finalement, cette première leçon qu'on peut retenir du pilotage des programmes informatiques à l'international? Comme je disais, Thierry, je prends la parole au début, parce que tout à l'heure, j'ai, dans mes slides, j'avais insisté beaucoup sur le fait que on propose aux différentes directions IT à l'international la gouvernance depuis un pays, avec une certaine culture de gestion des projets. Donc, il est important d'avoir la constance dans cette gouvernance, c'est-à-dire que la base documentaire du projet va constituer pour vous quelque chose qui va devenir une habitude. Je vais prendre un exemple. Si dans l'ensemble de votre projet, vous n'avez pas prévu un processus de la gestion de la nouvelle demande, par exemple, nouvelle demande, parce que ça vient tout le temps au cours du projet, et ben, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir créer les documents complémentaires ou compléter la gouvernance dès le départ. Donc, il faut bien avoir cette expérience du vécu pour proposer immédiatement une gouvernance qui ne changera pas de cadre ou qui ne va pas trop évoluer pour permettre une bonne lecture dès le départ. Et communiquer, c'est les comptes rendus sur lesquels j'insistais tout à l'heure. Quand vous avez beaucoup de réunions qui se réalisent aux différents niveaux, parce que vous avez les gouvernances architecture, les gestions de la data, les travaux que vous devez réaliser avec vos partenaires et que vous ne participez pas à toutes ces réunions et qu'à un moment donné, pendant les coproges ou copiles, vous devez prendre des décisions, il est très utile d'avoir ces informations bien indiquées, bien focussées dans les comptes rendus pour que vous ne perdiez pas le temps. Vous pouvez imaginer que vous avez à travers un projet comme ça international chez Auchan, vous avez à peu près une centaine d'intervenants, une centaine. Donc, si vous n'avez pas la communication bien ficelée, qui vous permet de bien prendre en compte l'ensemble des éléments, et ben, à l'issue d'une réunion importante, vous vous sentez un peu perdu parce que vous avez appris durant ces réunions beaucoup d'informations complémentaires qui n'étaient pas indiquées avant cette réunion. Donc, la communication a une importance primordiale. Thierry, sur le sujet ou en complément ou pas? Je suis tout à fait en ligne, en fait. La gouvernance est clé et avoir cette gouvernance qui soit posée et qui soit partagée avec des sujets simples, en fait. Si je prends, par exemple, dans le monde de la Chine, on est parti avec trois types de projets, en fait. C'est-à-dire, on a des projets qui sont gouvernés par le HQ et en fait, ce qu'on appelle China Embedded. Donc, c'est le projet se déroule et il y a la partie Chine est comprise dedans et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion par le métier sur le sujet quand le projet arrive. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Ensuite, il y a les projets qui sont où on dit on est en décalage de temps parce qu'on a une spécificité, on a une localisation et forcément il y a un double déploiement et il faut le prendre en compte. Mais on a tout le projet qui fonctionne en même temps. C'est juste au moment du déploiement où on a un petit décalage pour gérer. Et ensuite on a ceux qui sont vraiment vraiment locaux. Et où on se dit, c'est vraiment piloté par l'équipe locale parce qu'on est sur des sujets qui sont très spécifiques. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir les équipes métiers et IT bien alignées sur ces points-là. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le deuxième point du pilotage des programmes informatiques à l'international, on a impliqué le métier. Et la transformation au pilotage en mode produit, c'est ce que tu viens de dire là, je crois, Thierry, en quelques mots. C'est s'assurer que le métier est bien partie prenante des enjeux de transformation. Et ça se passe bien derrière. Exactement, parce que un des points qu'on peut voir dans ce qu'on peut rencontrer, des fois, c'est on a un headquarter qui va partir, qui va faire tout un projet, qui va le déployer. On va arriver sur la Chine et là, on se dit, ah oui, mais en fait, j'ai des spécificités, donc tout le monde, on repart un peu sur la page de départ et on repense tout le truc. Et en fait, c'est,
C'est très frustrant pour tout le monde. C'est frustrant pour les receveurs du projet localement parce que, ben, en gros, ils se disent, ben, moi, je suis servi avec 18 mois ou 24 mois de décalage. Et donc, ils ne sont pas satisfaits parce que le monde dans lequel on vit, il y a un message qui dit, est-ce que la crise sanitaire a accéléré? Ben, oui, la crise sanitaire a accéléré. Donc, forcément, si on a le sujet est couvert avec un décalage de 18 mois, ça ne va pas. Et puis, l'autre point, c'est que les équipes qui sont porteuses du projet, elles sont vachement frustrées parce qu'il y a eu énormément, même si on a des belles gouvernances, même si on a tout ce qu'on veut, c'est un projet, c'est lourd à porter, etc. C'est sur une durée qui est longue, donc c'est lourd. Donc, toutes les équipes qui sont impliquées, si elles arrivent, elles ont déployé, et quand on arrive sur la Chine, là, il y a une nouvelle montagne qui se met en place, et c'est très peu motivant. Alors que si on l'embarque en même temps, avec le métier aligné avec nous, c'est beaucoup plus facile et on garde cet alignement temporel tout au long du déploiement du projet. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Je rebondis par rapport à un élément du chat évoqué par Mustapha autour des contraintes locales, de l'organisation, des gens qui vont être partie prenante de ces enjeux de déploiement de programmes informatiques à l'international, avec un troisième point qui est ne jamais oublier que l'on déploie le vecteur de la culture de l'entreprise dans un pays. Dans lequel on a comment dire, un mode de vie, un mode de fonctionnement qui est différent. Et ça, Thierry l'a bien mis en avant tout à l'heure avec le regard chinois sur la France, par exemple. Donc, on a une double injonction, c'est-à-dire une première injonction qui est l'entreprise, elle arrive avec son identité, avec son produit, et elle doit aussi intégrer les contraintes du pays et les modes de fonctionnement du pays, voire le style managérial du pays, pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Alexandre, Thierry, sur ce volet évoqué par Mustapha? Oui, tout à fait. En fait, la culture de l'entreprise, vous commencez d'abord le projet. J'ai eu la chance d'accompagner Jennifer dès le départ, donc je ne le faisais pas au départ pour l'international. Je me suis déployé d'abord en France. Donc j'ai intégré bien ce que ça veut dire la culture de l'outil qui constitue ensuite le joyau de l'entreprise de Jennifer déjà en France. Et donc avec ce joyau-là, vous allez vers l'étranger. Vous devez leur expliquer que c'est ça qui va conditionner leur succès, parce que eux, ils investissent, donc ils attendent un retour, donc il n'y a pas question de se tromper. Et d'autre part, vous leur dites aussi comment ils doivent fonctionner, c'est-à-dire que vous prenez un partenaire par la main, quelque part, et vous les amenez vers le succès. Il ne faut pas se tromper, mais vous leur montrez que vous êtes en train de amener aussi une certaine culture de la réussite de votre société vers la leur. Oui, absolument. Thierry, sur le sujet? Et alors, je suis tout à fait d'accord. Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu aussi du type de projet que l'on porte. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets où on est vraiment sur le cœur du business de la société, comme l'exprime. Alexandre sur Jennifer, c'est vraiment le joyau. Et de manière évidente, on ne peut pas tellement se décorréler de la façon dont on le met en œuvre. Donc là, il y a une forte, il y a peu de, on recommande pas forcément une forte acclimatation au local. Après, on peut avoir d'autres approches, d'autres projets. Moi, je me souviens, alors c'était pas dernièrement, mais chez Lenovo, on avait déployé. On avait fait la migration de Notes à Outlook. Et donc là, bon, c'est le même produit pour tout le monde. Il est super connu. Il y a pas de. C'est un grand. Enfin, j'ai envie de dire, c'est des génériques. Hein, mais en revanche, pour arriver à le déployer de manière efficace, eh ben, en fait, il ne faut pas s'y prendre de la même façon entre les différents pays. Si on va aller sur le Japon, par exemple, même si on définit une date, on va avoir un temps de réflexion sur comment exécuter le projet qui va être assez long et on va avoir un temps d'exécution qui en fait sera assez court, mais parce que justement tout a été balisé avant et si on
si on met des jalons qui sont les mêmes pour tout le monde, entre par exemple l'Inde, le Japon et les US et l'Europe, ben, on va vite se rendre compte que les gens ils vont pas à la même vitesse, ils fonctionnent pas de la même façon. Et si on veut arriver à atteindre l'objectif, qui est généralement dans ces cas-là, c'est vraiment des dates de migration pour des zones, et bien, c'est très important quand même de prendre en compte le mode de fonctionnement de la zone dans laquelle on va déployer. Si on prend aux US, le meilleur conseil qu'on puisse donner pour déployer aux US quelque chose, c'est de le faire big. Parce que si c'est big, si c'est reconnu big, on aura le soutien de tout le management et le top management. Et donc là, ça sera inclus dans les priorités de l'année et ça passera. Si on est sur quelque chose qui n'est pas reconnu comme étant big, eh ben, ça sera compliqué. En Europe, si on arrive, et notamment en France, si on arrive en disant « ouais, j'ai le plus gros projet, etc. », c'est pas forcément la meilleure façon de fédérer les équipes, de générer une bonne dynamique autour d'un sujet. On sera peut-être sur une notion d'innovation, comme le mentionnait Alexandre, ou une notion technologique, c'est plus ces côtés-là qui vont fédérer. Donc, c'est en cela, en fonction du contexte, on peut avoir différentes approches. Merci beaucoup. Dernier point qui a déjà été évoqué par Alexandre dans la précédente diapositive, qui était mettre en place des outils de pilotage en fait, hein, et de suivi des projets pour pas avoir d'effet tunnel, pour pas dériver, qui est le dernier point qu'on peut voir et qui semble important. Alors c'est important dans tous les projets, mais ça l'est d'autant plus sur des projets internationaux pour les raisons qu'on a d'ores et déjà évoquées. Absolument. On est attendu au tournant quand on gère un projet. C'est dans le run qu'on est vrai. On saura le faire ou non à la fin. Donc les métriques se mettent en place dès le début du projet, dans les grandes sociétés surtout, pour pouvoir mesurer la capacité de l'équipe entière, capacité de chef de projet, de ceux qui l'accompagnent, à mener ce projet du début jusqu'à la fin, en respectant les délais, le budget, la bonne compréhension. Donc, il y a à peu près entre 25 et 30 points de vérification qui se réalisent par des comités totalement indépendants qui ont une seule préoccupation pour que le rendez-vous se passe bien. Bien. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, j'en profite pour vous signaler qu'il y a un sondage qui a été mis en ligne par Shirley. Donc, n'hésitez pas, pendant qu'on continue à répondre à vos questions, à remplir le sondage qui vient d'être communiqué. Alors, de façon succincte, parce qu'on arrive quand même au terme, et l'objectif, c'est qu'on arrête à 19h, c'est répondre aux quelques questions qui ont été posées. Merci à Sylvie qui pose une question auquel on a déjà un peu répondu. La crise sanitaire a accéléré la digitalisation en entreprise. L'avez-vous constaté dans vos expériences à l'international et pouvez-vous donner des exemples de projets ? Thierry, Alexandre, alors le monde du retail a particulièrement été impacté hein, par cette digitalisation accrue. Hein. Bon, alors, tout à fait. Je laisse Thierry peut-être répondre, il est prêt. Non, vas-y. Enfin, moi, ouais. En Chine, sur un point très… Donc, la Chine a eu un temps de confinement beaucoup plus long, hein, in fine. Et donc, ça a généré… notamment un mix, une transition entre le retail et le e-commerce, tout ce qu'on a vu, hein, ce qu'on a vu en France, en fait, c'est appliqué, toutes les approches de click and collect, etc., se sont largement diversifiées. Et c'est cette mutualisation, derrière, on arrive beaucoup sur les notions de mutualisation des chaînes logistiques et des stocks entre des approches e-commerce et retail. Pour ma part, je peux dire que à cette époque-là, j'ai travaillé pour le groupe Aqualung. Donc, il y a parmi les participants, il y a Quentin Joly qui peut témoigner. Donc, ce qui a accéléré pendant cette crise sanitaire, c'est la mise en place des sites B2C. Pour la première fois, le groupe Aqualung a accéléré son business model en s'adressant directement aux consommateurs finaux à travers les sites marchands. OK. Merci. Alors, on a deux questions. On a une question pour Thierry de la part de Hassan. Pour Thierry, comment s'est organisé le programme entre le siège en France et la BU en Chine? Aviez-vous aussi des spécificités, des contraintes? Et si oui, pourquoi? Alors, le,
Le programme, en fait, c'est de sur lequel j'interviens, c'est d'emmener l'ensemble de la stratégie de la DSI et la transformation de la DSI HQ sur la Chine. Donc le principe, c'est déjà, et surtout dans le contexte qui était celui de l'année dernière, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent et se parlent. Parce que, en fait, ce qu'on a beaucoup, c'est des misunderstandings entre les gens. On n'a pas la même définition. Dans beaucoup de cas, quand on a le titre d'un projet, il est compris quand on détaille en Europe ou en France, ça veut dire ABCD. Et en fait, quand on demande aux gens comment ils lisent la même chose en Chine, en fait, ils n'ont pas la même compréhension. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive sur des deltas. Donc, beaucoup de choses, c'est de s'assurer que les gens communiquent entre eux et qu'on a bien les bonnes chaînes de communication régulières. Donc, concrètement, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par la mise en place de comités de pilotage. On est passé de communication très éparpillée à des communications très structurées. Et ça rejoint Alexandre avec des approches, des comptes rendus de décision, des suivis où les gens où on commence à suivre un chemin et raconter une histoire. Après, quand on a au niveau des spécificités, bien sûr, il y a des spécificités en Chine. On l'a vu avec les outils qui sont spécifiques. Donc, c'est pas des développeurs en France qui vont aller développer sur du Alibaba ou sur des plateformes Alibaba, etc. Des contraintes, on a des contraintes, notamment en Chine, tout particulièrement avec les lois sur les données qui sont très spécifiques et notamment la loi PIPL qui s'applique depuis quelques mois. Donc ce sont des choses bien sûr qu'il faut intégrer dans la planification, la structuration des projets. Merci beaucoup. Et j'ai une question pour un représentant du Nord qui a priori connaît pas mal Auchan, qui s'appelle Thierry Rolfo, je crois, qui posait une question à Alexandre. Auchan a-t-il utilisé cette solution informatique pour les autres filiales du groupe? Les filiales, donc on entend par les filiales les magasins Auchan à l'étranger, en dehors de la France, c'est ça? Non, non, les autres je pense que Thierry veut dire les autres entreprises du groupe Auchan. Est-ce que Ah, en c'est ça? dehors de la partie, c'est ça, hein, Thierry? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Auchan et Leroy Merlin se sont emparés de cette solution immédiatement. Donc, Leroy Merlin est légèrement en avance par rapport à Auchan. Donc, je ne connais pas exactement quel est leur timing de déploiement, mais je pense qu'ils ont commencé à déjà déployer pas mal de pays. Auchan, à l'heure actuelle, a fini le projet dans sa construction, est en train de déployer la France entièrement, car le projet est malheureusement ralenti à cause de la mise en place de Google Cloud Platform, parce qu'il faut gérer les da données dans le Data Lake. Mais Leroy Merlin, sûr et certain, ils sont en train d'avancer aussi dans la même direction. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une dernière petite question parce qu'on arrive au terme. Quelles sont les spécificités d'un projet au Japon versus en Europe? Alors, je sais pas, peut-être Thierry sur le sujet parce que tu as parlé du Japon tout à l'heure, je crois. Oui, donc le Japon, c'est pareil, c'est une culture très forte. Donc je pense que ce qui est important, c'est de comprendre, de prendre. Alors, de comprendre, c'est très ambitieux, mais c'est d'être à l'écoute. Et après, ce qui ressort quand même c'est le détail de la planification. Donc, c'est quand même eux qui ont inventé tous les modèles d'optimisation des chaînes supply chain, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un niveau de détail qui est demandé, qui est attendu. De leur part en termes de. Donc, ils vont poser énormément de questions. Donc, il faut être prêt à être à l'écoute de toutes ces demandes pour que cette planification très détaillée puisse se faire. Et j'ai envie de dire, après, s'il y a le buy-in sur la planification, etc., l'exécution, ça sera pas un sujet. Parce que eux considéreraient comme un échec de ne pas arriver à exécuter ce qui a été planifié. Ok. Donc, c'est vraiment le focus sur la compréhension de la planification.
Merci, merci beaucoup Thierry. Alors, il est 19h pile, donc c'est de main de maître. Donc, merci à Alexandre, merci à Thierry pour leur implication et leur contribution à ce webinaire. Merci à vous pour les questions et pour la réponse au sondage. Merci à tous pour votre attention. Et puis, on vous souhaite une très, très belle fin de journée. Et voilà. Donc, bon courage à tous. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt. Merci à beaucoup. Vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.